les abonnés, aujourd'hui j'ai commandé une nouvelle boîte sur le Darknet. Une boîte contenant des consommables interdits. Alors c'est quoi un consommable interdit? Eh bien c'est très simple, un consommable interdit c'est un consommable qui me permet de me transformer en différents monstres. Mais cela reste des transformations interdites. Là le thème aujourd'hui c'est Huggy Wuggy de Poppy Playtime. Vous allez me dire, mais on l'a déjà fait, c'est un petit peu nul ça Diabolo. Ouais mais là apparemment je peux avoir des Huggy Wuggy de fou furieux. Genre Golden Huggy Wuggy. Ce serait apparemment un Huggy Wuggy beaucoup plus puissant et beaucoup plus mortel. Mais aussi Kissy Missy, qui est simplement la version féminine de Huggy Wuggy de Poppy Playtime. C'est un Huggy Wuggy rose, après on verra un petit peu c'est quoi ses pouvoirs. Et plein de différentes versions de Huggy Wuggy. Huggy Wuggy, évidemment je parle de la poupée de Poppy Playtime. Alors dans un premier temps, on va aller découvrir les consommables interdits que j'ai reçus. Puisque oui, j'ai effectivement reçu la boîte du Darknet. What? Attendez, la boîte elle était là tout à l'heure? Attendez, parce que j'ai vu les mecs du Darknet. Ils m'ont juste dit, allume pas ta caméra, on veut pas que les abonnés voient tout simplement qui on est. D'ailleurs on peut faire un petit truc hein les abonnés. S'il y a 5000 pouces bleus sur cette vidéo, j'essaierai de les filmer en scred pour vous montrer un petit peu qui sont ces gens du Darknet. Vous verrez, ils sont plutôt très effrayants. D'ailleurs si je décale un petit peu ma tête bon c'est un running gag. Mais abonne-toi, active la cloche de notification si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, pour ne rien louper des prochaines transformations. Puisque aujourd'hui c'est toi qui vas choisir la prochaine transformation, la prochaine boîte du Darknet que je vais commander. Donne-moi un film, une série, un dessin animé. Tu m'écris ça en commentaire et une fois que c'est fait, je sélectionnerai le commentaire avec le plus de likes pour réaliser le prochain épisode des transformations. Du coup bref, j'avais la box qui était posée juste ici et désormais on a un petit message. D'ailleurs tout à l'heure je disais, dans une première partie on va découvrir les monstres dans lesquels on va pouvoir se transformer. Mais la seconde partie vous la connaissez aussi. La seconde partie, je vais sans doute devenir un petit peu fou avec ces transformations puisqu'ils ont des effets secondaires sur moi et je vais avoir envie de tous les buter. Du coup leur but c'est de se défendre contre moi pour ne pas mourir. Et moi je vais essayer de les buter, mais en même temps voilà, il faut que je fasse le moins de dégâts possible. Parce qu'imaginons que j'en bute un, et ben ça veut dire qu'il meurt définitivement. Du coup, quel est le message qui a été inscrit à la place de la box? Aujourd'hui il faudra mériter ta box. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? Il y a aussi d'autres panneaux de l'autre côté. Abonne-toi sinon je mange la box. Et on vous donnera des comestibles mortels. Bon ça, ça doit être Léo qui a écrit ça. Puisqu'il y a des petites fautes d'orthographe, des comestibles sans S, mortels sans S. Je crois que là il y a eu des petites fautes qui ont été faites. Léo, je reconnais ta patte là, c'est toi. Mais c'est pas parce que la dernière fois que... C'est pas parce que la dernière fois là-bas quand je suis venu, j'ai écrit j'ai mal écrit que là aussi Oui bon, du coup ça veut dire que c'est Léo. Mais au moins voilà, c'est drôle quand même. Abonne-toi sinon il va manger la box, il y aura pas de vidéo. Bref, du coup apparemment il faut que je mérite ma box. Alors j'ai l'impression que c'est une sorte de petit jump. Wow, mais Jack, qu'est-ce que tu fais là? Jack, j'ai réparé ta voiture. Mais attends, mais tu viens de me rentrer dedans. Jack, hé, descends. Jack, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, t'as réparé ma voiture. Ah mais c'est pour ça que t'es en tenue de... Mais t'es en tenue de quoi là? Mais c'est quoi cette tenue bizarre? Enlève ton casque là, enlève ton casque que je te reconnaisse. J'ai des lunettes bizarres là. Ah ok. C'est quoi? Mais c'est quoi ce... Mais what? Je préfère regarder, t'inquiète. Du coup ici nous avons une sorte de jump. Donc là je saute ici. Je saute ici. On a une échelle sur la droite. Ok, c'est bon. Je suis sur le toit. Ok, la box elle a été placée juste là-bas. C'est un petit jeu de la part des mecs du Darknet. Je trouve ça plutôt assez fun pour aller récupérer ma box. Par contre, Léo évite de me gêner lorsque je fais les sauts parce que bon, j'ai pas envie de manger la box. Ok, let's go. Hop, let's go. Ok, ok, il faut que je fasse attention. Là, on est sur la partie la plus compliquée. Et en vrai, est-ce que je vais réussir du premier coup? Ok. Et là, non. Mais comment? Mais il y a une échelle de l'autre côté. Je suis mort, qui c'est qui a mis l'échelle de l'autre côté? C'est Cardi. Non, moi j'ai mangé du slime. Du coup je saute super haut. Ah regarde. Ok, bon en vrai j'avoue que mettre une échelle c'est pas très compliqué. Du coup les abonnés, nous allons découvrir le contenu de la box dans un instant. Non, n'ouvrez pas, n'ouvrez pas. Et surtout ne volez rien. Cette fois-ci vous me laissez tout, je vais découvrir ça avec les abonnés. C'est notre petit moment à nous. On va découvrir l'intérieur de cette box. Donc déjà il y a quelqu'un qui est dedans là. Ou arrêtez de l'ouvrir. Sinon je vais dégager tout le monde de cette plateforme là. Alors attention, ok, je suis prêt à l'ouvrir les abonnés. 3, non mais évitez de l'ouvrir. Pourquoi vous continuez de l'ouvrir là? 3, 2, 1.
Let's go. Ok, nous avons Huggy Wuggy. Nous avons Golden Huggy Wuggy, Red Huggy Wuggy. Et il y a un truc qui est disparu, c'est Kissy Missy. Incroyable les abonnés. Oh là, j'ai failli faire un petit saut et me casser les jambes. Heureusement qu'il y avait l'échelle juste à gauche. Attention, ou à droite, c'est ça dépend lorsque casser. Je descendais. C'est bon, mais du coup, nous avons 4 transformations aujourd'hui. Exceptionnel, nous avons le Golden Huggy Wuggy. Ça les abonnés, on va se le réserver pour la fin parce qu'à mon avis, ça doit être vraiment trop incroyable. D'ailleurs, quelqu'un peut placer des petits items frame là dans les escaliers là-haut. Allez, placer des petits items frame, ça peut être très cool, comme ça on va découvrir un petit peu mieux simplement les comestibles. Vas-y, qui a dit qu'il faisait? C'est Cardi? Vas-y, Cardi. Vas-y, Cardi, vas-y. Non, c'est Léo qui a dit ça. Attendez, Cardi et Léo, ouais. Vas-y, placez-les. 1, 2, 3, 4. Ok, let's go, parfait. T'as vu, je peux te monter. Ouais, bah super ça, Léo. Du coup, on va placer le premier Huggy Wuggy. Ah ouais. C'est vraiment stylé. Ensuite, nous avons le Golden Huggy Wuggy. Ça, vraiment, les gars, je vous le dis, on va se le réserver pour la fin. Ensuite, nous avons le Red Huggy Wuggy. Je vous avais promis qu'un jour, on le mangerait, puisqu'on a déjà eu le Red Huggy Wuggy, mais on l'avait pas utilisé. Et enfin, nous avons Kissy Missy. Ok. Oh, hey, Kissy Missy, limite, c'est la plus flippante. Évitez de la faire tourner, arrêtez. Waouh, non, mais vous avez mis. Oh, les gamins. Vous mettez des items frame partout. Franchement, Kissy Missy, elle a l'air quand même pas mal effrayante aussi. Hein. Je vais tout récupérer. Non, mais Léo, redonnez-moi. Merci. Allez, c'est bon. C'est bon, je récupère tout ça. Ah non, du coup, nous avons Huggy Wuggy, Golden Huggy Wuggy, Red Huggy Wuggy et Kissy Missy. Franchement, c'est du très lourd. Le seul qui me fait un petit peu peur pour la famille, pour éviter que voilà, je les bute tous, c'est Golden Huggy Wuggy. Parce que comme vous le savez, Huggy Wuggy, franchement, déjà, il est pas mal cheaté. Déjà, la dernière fois, quand je me suis transformé en Huggy Wuggy, genre, ils se sont retrouvés dans le noir. Du coup, franchement, voilà, pour moi, c'était assez facile. Ils me voyaient à rien du tout. Et j'avais juste à les attaquer par derrière, tout simplement. Ils me voyaient pas arriver, je pouvais leur faire des dégâts très rapides. Et franchement, la mort n'était pas loin du tout. Du coup, ça me fait un petit peu flipper. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose contre Huggy Wuggy Golden. Bon, déjà, vous allez me retirer tous ces items frame là parce que c'est n'importe quoi. Allez, enlève-moi tout ça. C'est bon. Non, allez, attendez. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Diabolo. Attendez, il y a un message qui est en train d'être écrit là. Attendez. Je veux voir quand même la fin du message. Je veux voir la fin du message. Ok, le haut il est un peu penché. Ok, Diabolo. Okay, c'était ça? C'est stylé. C'est tout. Franchement, c'est stylé. Je kiffe. Ok, Diabolo. Bien joué, ça, Angelo. Je kiffe de fou. Bref, du coup, les abonnés, il va falloir que tout simplement on se prépare un petit peu à ma transformation. Qui c'est qui parlait là? C'était ok. Alors les abonnés, oui, effectivement, aujourd'hui, pour surveiller un petit peu la famille, j'ai tout simplement recruté 2 personnes. Et on m'explique pourquoi. Alors là, on a Ivanov, tout simplement, qui nous provient directement de Russie. C'est un fou furieux. Donc bon, lui, il a pas peur de la mort, hein, très clairement. Bon voilà, c'est un fou furieux. Et ensuite, nous avons un militaire du SWAT, ultra entraîné. Voilà, regardez-le. Il a préféré garder son nom anonyme. Diabolo est moche, les. Non, mais je t'ai vu que c'était toi qui as écrit ça, s'il te plaît, par contre. Hein. Et du coup, lui aussi vient de la Russie. Regardez, il y a un petit drapeau russe, tout simplement sur son bras gauche, sur son bras droit. Excusez-moi, je connais pas ma droite et ma gauche alors que j'ai 22 ans. Et mettez un petit commentaire si vous connaissez parfaitement votre droite et votre gauche, parce que je suis déjà tombé sur des gens. Voilà, il y en a beaucoup de mon âge qui connaissent toujours pas leur droite et leur gauche. Alors peut-être après, vraiment, on a 2 de cul, hein, mais bon, c'est comme ça. Ouais, Diabolo. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Cardi? J'ai un truc à dire sur Ivanov, là. Ivanov? Ouais, qu'est-ce qu'il a, Ivanov, Cardi, te fait peur? Non, on m'explique pourquoi il a une chaussette trouée sur la tête. Mais non, mais... Attends, mais Cardi, t'es sérieuse quand tu dis ça? Attends, bah mais non, ouais. Mais Cardi... Cardi, c'est pas une chaussette trouée, hein, c'est une cagoule. T'as jamais vu de cagoule? Non. Mais jure, mais what? Mais attends, mais c'est une cagoule. Madame, justement. Vous bossez, mais une chaussette trouée. Non, c'est une cagoule, Cardi, t'inquiète, c'est normal. Attends, what? Ça vient de sonner? Attends, oui. Wow, yo. Monsieur YouTube, mec, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur YouTube, il était pas prévu sur cette vidéo. Écoute, il est là, incroyable. Ça fait plaisir. Tu m'as dit ici, du coup, je suis venu. Ça fait plaisir, franchement, ça fait trop plaisir. Bon, bah, du coup, monsieur YouTube, tu vas participer aussi à l'expérience. Aujourd'hui, voilà, j'ai plein de transformations disponibles. J'ai Huggy Wuggy, Golden Huggy Wuggy, Kissy Missy et Red Huggy Wuggy. Franchement, j'ai plein de trucs de fou. Juste, j'ai un le Red Huggy Wuggy. Attends, je te le file. Tiens, regarde, c'est lui. Ah, bon, bah, oh, je mais crois il le ramasse, il est sérieux. Ils sont tous là. Eh, éloignez-vous un petit peu là, on est en train de faire des échanges avec monsieur YouTube. Eh, oui, je vais le manger, je vais le manger avec lui. Tiens. Viens voir. Vas-y, montre-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à buter ça. Ah, t'arrives pas à buter qui? À buter quoi? À casser ça, j'arrive pas. Mais bah, en même temps, c'est de la pierre. Comment tu veux casser de la pierre avec ta petite épée en bois? Si tu veux, j'ai une grenade. Si tu veux, non, j'ai une grenade. Non, pas de grenade. Non, stop. On arrête les grenades. Y'a pas de truc comme ça. Du coup, les abonnés, comme j'ai un petit peu peur pour Golden Huggy Wuggy, on va juste se faire une petite planque. Genre, vous vous faites une petite planque, je sais pas, on sécurise un endroit pour que vous puissiez ben, simplement vous cacher à l'intérieur. On a le bunker. Le problème, c'est que le bunker, j'ai un petit peu peur que ce soit pas assez solide. Ou alors, on fait juste une protection, genre juste devant le bunker, devant la porte. Parce que j'ai peur de pouvoir ouvrir la porte, vu que je connais un petit peu
comment l'ouvrir, etc. Je connais l'ouverture. Et peut-être que inconsciemment, eh bien, j'arriverai à ouvrir la porte. Du coup, il faudrait faire juste une protection. Je sais pas, un truc de lave, un truc sur lequel, eh bien. Je vais faire, hein, pas de problème. Hein. Vas-y, t'es chaud, tu fais ça, monsieur YouTube. Ouais, bah, alors, rappelle-toi, tu te souviens, j'avais fait un bunker avec Jérôme. Ouais, c'est vrai. Bien vu. Bah, du coup, il va falloir juste faire une petite protection sur le devant du bunker, histoire que, genre, même là, simplement l'ouverture, tu vois, je puisse pas l'ouvrir en fait. Donc, au pire, ce que tu fais, c'est que tu le fais, genre, moi, tu vois, on va faire une petite ellipse, les abonnés. Moi, je vais me cacher, genre, je vais me mettre dans ma chambre, tu vois. Tu fais ça, comme ça, le système, y'a que toi qui le connais. Et comme ça, moi, je pourrais pas voir et faire un peu nimbe, tu vois. T'as capté? Ouais, et sinon, j'ai trouvé un truc, peut-être que, je sais pas, c'est assez bizarre, je l'ai eu au marché noir aussi, tiens. Vas-y, montre-moi, c'est quoi c'est quoi, vas-y, envoie. Je sais pas ce que c'est en fait. Vas-y, je la chope. C'est quoi? Potion off. Ok. Bah, c'est juste une potion de dommage, je crois. Hein. Mais il faut faire attention avec ça, ouais, effectivement. Fais attention avec ça. Bah, écoute, je vais mettre des trucs dedans et je verrai. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, je vais commencer à construire. Vas-y, let's go. Ok, du coup, les abonnés, on va faire une petite ellipse. Il va tout simplement protéger un petit peu mieux l'avant du bunker. Et ensuite, on vous présentera un petit peu comment ça. Bah, pas trop comment ça fonctionne. Sinon, je vais le savoir. Mais au moins, on vous montrera un petit peu. Et à la fin de la vidéo, on vous montrera comment ça fonctionne. Du coup, let's go. Ok, monsieur YouTube, c'est parti. Il va commencer à faire cette petite protection. Du coup, les abonnés, on se retrouve après une mini ellipse. Le temps que la protection soit faite devant le bunker. Diabolo? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Angelo? Je te propose, je vais partir en ville comme ça, je vais chercher des matériaux bien résistants. Je connais un copain qui en vend, j'en ai plus trop à la DF35 Foundation. Vas-y, ça marche. Bah, vas-y, let's go, hein. C'est parti. Vas-y, go. Bah, écoute, je vais chercher ça, hein, pas de problème. Vas-y, et reviens quand je me transforme. Mais oui, bien sûr, j'ai t'inquiète. Trop vite de te tuer. Quoi? Je marche. T'es sûr? Je rigole. Allez, reviens, s'il te plaît. Quand je me transforme. On verra si je reviens pas, c'est que j'ai trop peur de toi. Vas-y, ça marche. Vas-y, à plus, Angelo. Bon, on va attendre que ça se transforme. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Léo? Tu me dis que ça fait assez mal, hein? Oui, bah oui, ça fait mal. Ouais, mais t'es sérieux ou quoi, toi? Bon, let's go. On attend que la protection soit finie. Les abonnés, on va juste checker un petit coup. Allez, attendez, on va juste voir un petit peu. Se spoil un peu. Oh! Ah ouais, ça commence à être lourd, hein? Ah ouais! Ok, ça commence à être pas mal. Bon, les abonnés. C'est compliqué, mais ça avance. Ok, ça avance. Bon, on se retrouve d'ici un petit instant, les abonnés, lorsque tout est fini. Les abonnés, je crois que c'est bon. Monsieur YouTube a terminé la protection du bunker. Alors là, du coup, il y a la porte qui est toujours. Aïe. Ok, c'est bon. Je la ferme. Ok. Non, la porte devait être ouverte. Ah, je suis en train de brûler. Il faut que j'aille dans l'eau. Je suis en train de cramer. Non. Mais non, mais c'est pas. Ok, c'est bon. J'ai arrêté de brûler. Du coup, regardez comment il a amélioré l'extérieur du bunker. Là, franchement, ça tue. Donc là, je pense qu'en Poppy Playtime, ouais, ça va être très compliqué de rejoindre le bunker. Eux, ils auront juste à se faufiler. Diabolo, regarde. Entre la lave. Tu donnes une facture. Du coup, tu me dois une facture, Diabolo. Bon, ok. Accès interdit au Poppy Playtime. Bah, c'est pas Poppy Playtime, c'est Huggy Wuggy. Ça, c'est une erreur que beaucoup de monde fait. C'est pas Poppy Playtime, c'est Huggy Wuggy. C'est Cardi qui a écrit. Spécial, hein. Poppy Playtime. Je suis mort, vous êtes chaud. Et là, c'est écrit quoi? Salut, c'est les. Non, ça, c'est quelqu'un qui a écrit à sa place. Il fait des fautes, mais pas autant quand même. Bref, du coup, les abonnés, on va manger. Et bien simplement, la première transformation de Huggy Wuggy. Ok, on va manger on va à table. La plus simple. Non, on va commencer par la plus simple. On va commencer par Huggy Wuggy, normal, adulte, la version normale. Let's go, 3, 2, 1, go, je mange, let's go. Ok, les abonnés. Oh, c'est instant là, je me sens très bizarre. Wow, les abonnés, je crois que je suis transformé. On va tout de suite vérifier ça. Yes, je suis Huggy Wuggy. Ok, alors faites attention à vous, Huggy Wuggy arrive. J'arrive. Je suis Huggy Wuggy, Poppy Playtime, version adulte, et je suis effrayant. Et là, je vais les effrayer. Alors, bah pourquoi vous me voyez pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais encore le. Vous êtes dans le noir? Ou encore plus rien. Ah, vous êtes dans le noir? Ok, regardez, il me voit pas. Ah, attends. Wow. Il a dû m'apercevoir vite fait. Attention. Bouh. Ok, j'ai pris cher. Le coup de tronçonneuse, ça fait mal, hein. Ah, le coup de tronçonneuse, il fait mal. Attention. Wouah. Oh, j'ai failli mourir. Ah ouais, c'est chaud, hein. Attends, j'ai tellement hâte d'être en Huggy Wuggy Golden. Enfin, le Golden Huggy Wuggy, pour simplement les massacrer. Donc là, ok, regardez, on va les surprendre. Pour l'instant, t'as que vu moi et Léo, hein. Et coucou Léo, coucou. J'ai pris des dégâts. Ok, les abonnés, je m'éloigne. Diablo, si tu vas noter le bunker, tu notes combien? Alors, je vais noter le bunker. Là, franchement, alors, je dois le noter comment? De manière esthétique ou de manière efficace? Les deux, vas-y. Ok, alors de manière
De manière esthétique, simplement je mettrais franchement un 9,5 sur 10. De manière efficace, je mettrais un 8,5 parce que je pense que tu vois, je peux passer quand même à des endroits, tu vois. Il y a des endroits, regarde là par exemple, je peux passer là, aller à la fenêtre, ouais. Après, tu peux rentrer une fois qu'on est à l'intérieur, ouais, parce qu'il se fait l'intérieur. Je peux rentrer, mais je pense, tu vois, il y a quelques petits moyens, tu vois. Si je suis un peu chaud, ah, par contre, bien vu les tirs. Là, c'est Cardi qui tire. Dis-toi que j'ai fait en sorte que le bunker peut que s'ouvrir de l'intérieur, tu peux même pas l'ouvrir de l'extérieur. Ouais, j'ai vu ça. Alors, attention, Cardi. Il fait tout. Je l'ai envoyé dans la lave. Regardez, Cardi, je l'ai envoyé dans la lave. Ok, Cardi. Non, attendez, est-ce que Cardi va mourir? Non, Cardi n'est pas morte. Ok, résistante, Cardi. Et bouh. Yes. Oh non, mais non. Je viens de buter le soldat. Les abonnés. Attendez, d'ailleurs, il est passé où le soldat à la cagoule? Il a fui? Il a perdu ses balls? Il est pas là? Bon, non, les abonnés. Non, attends, il est là pour décorer, tu vois, Bon, en tout cas, l'autre soldat, il est mort, ok? Ouah, ça c'est chaud. C'est-à-dire que l'autre soldat, il est mort, ok, je l'ai trop sur. Ah oui, il est puissant quand même. Bon, les abonnés, on va passer à autre chose. Là, on a fait un petit peu le tour du Huggy Wuggy normal. On va passer à Kissy Missy, la version féminine de Huggy Wuggy. Est-ce que vous êtes prêts, les abonnés? 3, 2, 1. Go! Je mange le consommable de Kissy Missy. Ok, les abonnés, j'attends un petit peu. Ok, pour l'instant, rien. Est-ce que ça va fonctionner? Suspense. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. J'attends encore un petit peu. Les abonnés, mais non. Je crois que ça a fonctionné. Je suis transformé en Kissy Missy. Alors, ok, je vais extrêmement vite. Waouh. La vitesse, elle est incroyable. Alors vraiment, regardez-moi cette vitesse. Mais incroyable. Mais waouh. Attends, mais la vitesse est vraiment un truc. C'est vraiment un truc de fou, la vitesse. Et je me sens très très puissante aussi. Alors, je n'ai même pas parlé du skin. Mais regardez-moi ça. Je suis Kissy Missy. Non mais c'est incroyable. Je suis trop stylé, hein. Regardez-moi ça. Je suis toute rose. Attendez, on va aller à la lumière. Là-bas, il y a un petit peu de lumière. On va voir un petit peu mieux. Oh, attendez, mais je crois que je suis vraiment rose pétant. Mais c'est trop stylé. Mais c'est beaucoup trop stylé. Oh, je kiffe. Ok, alors il va falloir que je prenne une voix un petit peu plus féminine. Salut, c'est Diabolo. Non, bon, let's go. On va attaquer. J'ai envie de tester ma puissance sur Cardi, puisque Cardi peut effectivement revivre. Du coup, on va aller tester notre puissance sur Cardi. Let's go. Alors, je vais essayer d'en surprendre plus d'un, tu vois. Mais faut vraiment que j'essaie ma puissance sur Cardi, tu vois. Et après, on va essayer le Golden Huggy Wuggy. Là, ça va vraiment être cheaté. Fais attention à toi. Ok. Alors, par contre, je suis absolument pas résistant. Alors, il faut que je fasse attention. Ok, Cardi, où est-ce que t'es? Cardi, il est là. Cardi. Est-ce que je peux essayer sur toi? Non, me tirez pas dessus. Est-ce que Cardi, je peux essayer sur toi, s'il te plaît? Cardi, t'es là? Mais tu me verras pas. Si, je te vois. Cardi, attends. Diabolo, viens sur la route, j'ai mon armure, c'est Cardi, bon, c'est sûr. Attends, ils essaient de me tirer dessus. Attends, il faut que j'essaie de choper Cardi. Ah, je peux pas sauter haut. Cardi, s'il te plaît. Diabolo, je suis sur la route. J'ai vu. Alors, Cardi, t'es résistante? Est-ce que je t'ai fait mal, Cardi? Tu m'as fait perdre la moitié de ma vie! Quoi? Attends, vraiment? Je suis épuisé! Ouais, attendez, faut que j'essaie de buter Cardi! Cardi, viens, s'il te plaît, je vais essayer si vraiment en deux coups je te bute! S'il te plaît, en plus, tu pourras revivre après! Cardi, t'es où? C'est pas normal de demander de tuer quelqu'un, mais tranquille. Mais non, mais Cardi, elle peut revivre, c'est ça le principe. Vous pouvez pas revivre, regarde. Ah si, j'ai des totems. Oh, il m'a fait mal. Il faut que j'aille dans l'eau. Vite. Cardi, viens à la plage, s'il te plaît. Je vais essayer, s'il te plaît. Je veux vraiment voir si ça fonctionne. Vas-y, viens, hop, let's go, ok. Les gars, je me ramène au bazooka. Vas-y. Oh là, ok, vas-y, t'es où? Ok, Cardi, c'est bon, je te vois. Alors, reste ici, Cardi, redescends. Évite de sauter dans tous les sens. 1, 2, ok. Ok, il te reste combien comme cœur? Oh, c'est bon, je t'ai eu. Allez, c'est bon. Voilà, Cardi, c'est ciao. Bon, elle va revenir, vous inquiétez pas, les abonnés. Diabolo, tu vois la potion que j'ai? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais la boire. Vas-y, bois-la. Qu'est-ce qui va se passer? Les abonnés, j'ai tellement hâte à Huggy Wuggy Golden. Je pense que j'ai pas tardé en vrai. Vas-y, bois la potion. Okay. Attends, je vais m'enfermer avant. Ok, vas-y. Je vais me transformer, tu vas voir. Ok, je te passe au soldat. Oh là là, il m'a mis cher. J'avais plus que 4 coeurs, les abonnés. Ok, let's go. J'ai des balles. J'ai des douilles qui sont là. Eh, mais il me voit de loin là maintenant. Ah, avec Kissy Missy, vous me voyez. En fait, vous êtes pas dans le noir. Ah ouais, ça c'est un petit inconvénient. Elle est quand même moins puissante. Elle fait extrêmement mal. Elle est très rapide, mais elle est quand même moins puissante en vrai, je trouve. Ok, on fait attention. Ok, là ça tire. Ok, hop, let's go. Alors attention. What the fuck. Attention, je vais vite. Allez, attention. Aïe. What the fuck. Je vais dans la baraque.
Ok, je fais mal. Oh, c'est bon, j'ai buté deuxième fois le soldat. Ok, les abonnés, il faut que je me planque, sinon je vais mourir. Ah, ok, let's go. Diabolo, on va aller là-haut. Ok, Diabolo, j'ai bu la potion, il passe un truc vraiment fou. What? Mais moi aussi, j'ai perdu mes effets en fait. What? Attends. Bah moi j'ai bu une potion et... Ok, j'ai perdu mes effets. Attends, mais c'est quoi? Mais wow, t'es gros. Mais t'es gigantesque. Attends, mais t'es aussi... Mais t'es plus grand que moi alors que je suis déjà super grand. Attends, mais mets-toi à côté du soldat là. Mets-toi à côté du soldat. T'es gigantesque. Mais what? Mais t'es un géant maintenant. Par contre, je me sens beaucoup plus fort et non, tout là. Cardi va à côté. Et par contre, j'ai plus de... Moi je suis... Ah ouais, mais... Je suis mort. Par contre, moi je suis plus tout puissant. Hein. Là, c'est un petit peu le problème. Les abonnés, je pense que je vais manger dans pas longtemps du tout le golden egg. Je te frappe juste avec la main. Vas-y, frappe-moi avec ta main, s'il te plaît. Vas-y, on va. T'es où, t'es où? Mais attends, mais fais gaffe, hein, me bute pas, sinon l'épisode est terminé. Hein. Non. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi là. Vas-y. T'es où là? Je suis là face à toi. Regarde là. Wouah, mais tu m'enlèves plus de la moitié de ma vie. Mais what? Mais moi, comment ça fait que j'ai perdu? Eh, par contre, c'est trop bizarre. J'ai perdu mes pouvoirs. Bon, les abonnés, on va simplement se transformer en Golden Huggy Wuggy. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Je sens qu'on va passer aux choses sérieuses. Les abonnés, on va s'éloigner un petit peu parce que, à mon avis, ça va devenir très violent. Oh, mais genre. Mais non, mais je rentre dans cette boutique et attendez, qu'est-ce que je vois? Ma boutique de vêtements. Mais attends, mais attendez, elle a les abonnés. Franchement, même moi, j'étais pas au courant. 100% que même moi, j'étais pas au courant. C'est même pas prévu ça. Mais franchement, c'est très cool. Voilà, il faut le rappeler quand même. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas dit dans une de mes vidéos. J'ai une boutique de vêtements qui est en description. Voilà, vous pouvez acheter simplement des t-shirts, des coques, des sweats pour l'hiver. Simplement avec des visuels de la famille Diabolo Fit 35. Genre Diabolo Fit 35 en version Among Us. La famille Diabolo Fit 35, bon là c'est tout pixelisé, mais en vrai de vrai, va checker simplement en description. Tu cliques sur le lien Teespring, voilà, t-shirt, etc. Et tu verras, il y a tout plein de vêtements. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent vraiment te plaire si t'es fan de la chaîne. Bref, du coup, on va passer. Oh, il va commencer à faire jour quand tout simplement je vais me transformer en Golden Huggy Wuggy. Ça va être incroyable. Ok, éloigne-toi s'il te plaît, Cardi, sinon je pense que je vais te faire très mal. Hein. Du coup, les abonnés, il va être temps de manger Golden Huggy Wuggy. Les abonnés, je mange le consommable. Ok, oh what? Ok, ça m'a mis un petit peu malade, mais je pense que c'est parce que c'est très puissant. C'est la première fois que ça me fait ça, hein. C'est la toute première fois. Ok, on va attendre un petit peu. Wow, les abonnés, je crois que je suis Golden Huggy Wuggy. Alors regardez déjà ma barre de vie, elle a complètement changé. Mais je crois aussi mon apparence, il me semble que je suis plus grand encore. Ouais, là je suis plus grand, je suis beaucoup plus grand. Oh, alors je sais pas si vous voyez la différence par rapport à l'autre, mais j'ai une plus grosse tête, je suis plus... Waouh. Ok, alors niveau vitesse, je vais plus vite, même si on a moins l'impression de vitesse, les abonnés, je vais beaucoup plus vite. Je le sais parce que tout simplement, voilà, c'est juste par rapport à mon champ de vision en fait. Il n'a pas été forcément énormément élargi, mais je vais quand même beaucoup plus vite. Regardez la vitesse à laquelle je vais, c'est impressionnant. Diabolo, je me sens extrêmement puissant, extrêmement résistant. Je me sens vraiment très très puissant là, les abonnés. Je pense que vraiment, je suis sur l'un des personnages les plus puissants dans lequel je me suis jamais transformé. Alors évidemment, il y a eu Annabelle, c'était vraiment n'importe quoi. Mais là, du coup, par contre, je me sens extrêmement puissant. Je vais faire un carnage, je sens que je vais faire un carnage. Les abonnés, regardez-moi. Ok, let's go. Cardi, Diabolo, j'ai une petite surprise ici pour toi. Alors, oh, ils ont balancé. Ok. Waouh, je vois plus rien. Alors là, les abonnés, je sens que je peux les mettre dans le noir aussi. Je viens de tous vous mettre dans le noir. Alors, vous voyez quelque chose? Diabolo, il ne voit plus rien. Regardez, waouh, pourquoi j'ai de la nausée d'un coup là? Diabolo, c'est les effets secondaires de ma bombe. Waouh, elle est bizarre. Waouh, mais t'es sérieux? Mais toi, tu vas être le premier à mourir, hein. Je te le dis direct, hein. Ouais, mais je suis géant, je suis encore plus mal, hein, t'es sûr? Hop, let's go. Alors, allez, ok, c'est bon. Je l'ai. Il est où? Il est où? Vous butez. Oh, c'est bon. Mais je suis en train de faire un carnage. Oh, les abonnés. Ok. Il est où? Il est où? Ok. Ah. Ouais, c'est bon. Alors, attention. Attention. Eh, tu vas voir. Tu me feras rien du tout. Allez, affronte-moi. Mais comment c'est que je peux pas. Mais comment c'est que je peux. Ok, c'est bon. Mais what? Je galère tellement à te mettre des coups. Attends. Ok. J'ai grossi. Ok. Ok, alors est-ce que tu prochaines? Alors là c'est le combat. Là c'est le combat épique, les abonnés. Je pense que tellement que j'ai pris du poids. J'ai les abonnés, c'est le combat épique. Alors, vous avez beau m'attaquer dans tous les sens, vous me faites rien. Allez, heureusement les abonnés, pour un épisode hors série. Parce que regardez, Léo, je l'ai littéralement buté. Hein. Alors attention, Cardi. Alors combien de coups? Cardi, attends, je peux essayer. Il est là. Un. Non, je peux plus. Deux, ok, c'est facile, ok. Un, deux, oh. Mais what? Mais je suis tellement puissant, mais c'est nimp. Eh, je vais les tuer en boucle. Ok, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé, monsieur YouTube? Il est au-dessus. Alors, monsieur YouTube, je te fais des dégâts ou quoi? Ouais, mais j'ai un peu muté encore, c'est n'importe quoi, c'est à cause de la potion. Quoi, t'es encore muté? Mais what the fuck? Mais what, c'est quoi ce délire?
Attends, il est comment? Je suis tout plat. Il est comment? Attends, je l'ai même pas vu. What? Mais c'est quoi? Attends, mais what? Il est tout fin. Ok, ok. Il est en 2D. Ok, ah, ah, c'est dur de frapper du coup. Hein. C'est le combat. Le combat. Attends, attends. Je le vois. Ah, attends, est-ce que je peux tirer dessus? Est-ce que je peux signer en combien de coups je te bute, monsieur YouTube? Ah, vas-y, mais je crois que je prends pas beaucoup cher. Deux, là, je prends rien. Je prends un petit demi-coeur. Quoi? Mais c'est pas normal. C'est pas normal, je suis ultra puissant, mais attends, mais c'est cheaté. Arrête de frapper. C'est ultra cheaté. Mais non, mais ta résistance combien sur ton truc là? Je sais pas, je crois que c'est à cause de la potion, mais si tu veux, bah, les effets vont bientôt partir. Bizarre, ouais, bon, c'est très étrange. Monsieur YouTube qui est encore plus fort que Golden Gimmegi, il y a des trucs qui vont pas trop là. C'est l'armure, je crois, qui est là. C'est un peu bizarre. Bon, les abonnés. Peut-être un peu parce que j'ai bu du pistolet de Jérôme, hein. Ouais, mais bon, même le pistolet de Jérôme, normalement, je suis en Golden Gimmegi, je suis censé être ultra cheaté, hein. Bon, du coup, bon, je suis quand même ultra cheaté, les abonnés. En vrai, je suis quand même ultra cheaté. Vraiment, les abonnés, dites-moi un autre monstre. Alors, évidemment, il y avait Annabelle devant, mais je pense qu'on peut largement le mettre sur le podium, sur le top 3 des monstres les plus puissants dans lequel je me suis transformé. Diablo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pour être honnête, en fait, il me restait 4 coeurs, même pas. Quoi? J'ai juste menti. What? Mais attends, mais ok. Ah ouais, c'est-à-dire que je faisais... Ah ouais, ça fait... Oh, ah ouais, je suis quand même très puissant, ça veut dire... Attends, ok, let's go. Alors, attends, où est-ce que t'es? Bon, en vrai, on peut se faire un combat, en vrai, on peut se faire un combat, mais en vrai, je suis quand même très résistant, j'ai beaucoup de coeurs. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de coeurs. Parce que, attendez, Cardi, viens. Mitraille-moi à la batteuse là. Mitraille-moi au minigun. Vas-y, mitraille-moi. Ok, en fait, vas-y, continue. Vas-y, viens vers toi. En vrai, tu peux quand même buter. Je pense, regarde là, j'ai perdu 2 barres de vie. Vas-y, continue. Les abonnés, on va essayer de mourir pour voir si je peux me faire buter. En vrai, il y a moyen, mais c'est quand même extrêmement dur. En vrai, c'est quand même extrêmement dur. T'imagines, c'est à dire qu'il faudrait qu'il me mette vraiment trop de balles. Hein. Regarde, je vais me mettre dans un. Attends. Je me mets dans un trou de 2. Vas-y, et là, tu me bombardes. Diablo, t'es où? Regarde, vas-y, bombarde-moi là. Ok, là je peux pas. Ah non, mais attends, je sors. Faut que je descende. En fait, tu me fais monter en l'air. Attends, vas-y, go. Allez, les gars. Ah, vous êtes là. Ok. Eh, mais. Wouah. Eh, Diablo, attends. Mais je suis mort, ça fait chier. J'ai chargé un peu ma tronçonneuse. Vas-y, je te frappe. Vas-y. Wouah. Ok, ah, ça fait mal. Ça fait très mal. Ok. Bon, les abonnés, je pense qu'on va s'arrêter ici. Attendez, je vais essayer un. En même temps, c'est une tronçonneuse. Hein. Une grosse chute. Ah, c'est moi qui ai fait le trou. Oh. Mais non, ce trou-là, il existe depuis. C'est qu'on avait. Non, mais j'ai creusé encore avec des grenades. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'on l'avait fait. Ouais. C'était une explosion. On avait piégé. Attendez, c'était qui? C'était Chase. Attendez, je sais plus c'était qui. Wouah. Update. Je peux voir si tu résistes aux grenades. Mais abonnés, j'ai une mémoire vraiment à court terme. Hein. Wouah, c'est trop stylé. Wouah, attendez, stop, ça va commencer à laguer. Non, stop. Ok. Wouah, c'est stylé, hein. C'est stylé, mais voilà. Bon, bref, les abonnés, en tout cas, voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'était Diabolo, quoi, Diabolo. Wouah, Angelo. Je suis de retour, du coup je t'ai ramené pas de matos. Bah, je crois que c'est un peu trop tard là, Angelo. Je crois que c'est un peu trop tard. Bref, stop et tirer dessus. Bon, bref, les abonnés, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Elle était franchement très très cool. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, un grand merci simplement à Monsieur YouTube, du coup Scrimex, Tuluxis, Natsuko, MC Logicube. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Un grand merci à eux, voilà, d'avoir participé à cette vidéo. J'ai trouvé des diamants, Diabolo. Regarde, il y a des diamants. Voilà, autant sur le plan technique qu'en tant qu'acteur. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tiens, du diamant. Bye tout le monde, les potos, je vous aime. Et à très très vite. Merci pour le diamant. Allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime. Abonnez-vous aussi, c'est important.